pour Estelle Denis, les vacances d'intérim avec bricolage. Ce dimanche 6 août 2023, la célèbre animatrice a prouvé à ses abonnés qu'elle ne se tournait pas les pouces dans sa maison secondaire située en Bretagne. Une somptueuse demeure qu'elle a achetée par le passé avec son ancien compagnon Raymond Domenech. Malgré leur rupture, tous deux la partagent encore. Visiblement, l'heureuse maman de deux enfants a eu la chance d'être soutenue par son chéri, Marc Tiercelin, preuve à l'appui. Pour recharger ses batteries avant la grande rentrée, Estelle Denis préfère miser sur des coins de l'Hexagone réputés pour leur tranquillité. Ainsi, l'animatrice d'Estelle Midi sur RMC a mis le cap sur la Bretagne, dans sa maison secondaire qu'elle partage encore avec son ex-compagnon Raymond Domenech. En 2013, les parents de Victoire et Merlin ont eu un véritable coup de cœur pour cette somptueuse maison située en bord de mer dans les Côtes d'Armor. Leur fief dominant le vieux port de Saint-Quay-Portrieux, comme l'ont te souligné nos confrères du Parisien, a tout pour plaire. Un havre de paix situé dans la petite station balnéaire de Table-sur-Mer, dans la baie de Saint-Brieuc qui ne cesse de les enchanter. Leur résidence bien que moderne nécessite tout de même quelques travaux. Profitant de ses vacances pour s'y atteler, Estelle Denis a pu compter sur l'aide de Marc Tiercelin, le célèbre skipper qui partage sa vie depuis plus d'un an. Ce dimanche 6 août 2023, la journaliste l'a d'ailleurs tagué dans l'une de ses stories Instagram pour le mettre en avant alors qu'elle retapait une chaise en fer rose dans son grand jardin. Ayant la chance d'avoir du soleil, la principale intéressée a misé sur une tenue légère et décontractée. Sans oublier de porter un masque pour se protéger les yeux. Mac JV n'a qu'à bien se tenir à en croire son post, sur lequel elle l'utilise. Un masque de plongée. Tout au bas Marc Tiercelin, ATL légendé. Sur une autre photographie, Estelle Denis pose avec son matériel improvisé, prête à bosser avec les moyens du bord. Loin du tumulte parisien, la présentatrice se porte comme un charme. Séduite par les terres bretonnes, la collègue de Thierry Moreau y séjourne dès qu'elle peut. Si est-y en ces lieux qu'elle a d'ailleurs passé son confinement avec le père de sa progéniture. Ici, les gens s'en foutent de nous, a assuré Estelle Denis, toujours pour Le Parisien en 2020. Celle qui souhaitait dans un premier temps s'installer sur l'île de Ré ne quitterait pour rien au monde leur belle demeure de 3 étages, il pleuvait quand on a fait la visite, c'était vraiment un temps à déprimer, mais en voyant la mer, j'ai su que si est-il là que je voulais poser mes valises. Chaque jour, la lumière est différente. Si est-il magique.